Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle leçon de lecture du livre Lire au CP2. Allons-y. Les cartes lexicales. La nuit. La nuit. La pluie. On dit il a plu. Éclaboussé. Éclaboussé. Sauter dans l'eau. Sauter dans l'eau. Éclat de rire. Éclat de rire. Aujourd'hui, le titre, c'est Après la pluie, on va découvrir Julien et ses amis, comment ils sont passés leur journée. Après la pluie. Il a beaucoup plu pendant la nuit et dans un coin de la cour, une grande flaque d'eau s'est formée. Denis et Julien appellent leur ami et décident de sauter par-dessus la flaque. Sophie prend son élan et tombe dans l'eau. Ses camarades, qui sont tout éclaboussés, éclatent de rire. C'est bien plus drôle de sauter dans l'eau, s'écrie Denise. À mon tour maintenant. Maintenant, question sur le texte après la pluie. Que se passe-t-il pendant la nuit? Il a beaucoup plu pendant la nuit. Que font Denis et Julien? Denis et Julien appellent leur ami et décident de sauter par-dessus la flaque. Que se passe-t-il à ses camarades? Ses camarades sont tous éclaboussés, éclats de rire. Les enfants décident quoi? Ils ont décidé de sauter dans l'eau. La flaque se forme avant la pluie ou après la pluie? C'est sûrement va être formée après la pluie. Quand la pluie tombe, après la flaque se forme. La flaque se forme après la pluie. Maintenant, on a lu toute la page de Après la pluie et on a fait les questions. J'espère que vous avez compris et aimé cette vidéo. À tout à l'heure. Au revoir.